Lalira, Ihamataratatu. Arhime. Deaweo tamara parhime. Amalioni parhime. Rana patu atatui tfariri raiti enei pepe api. Maruru mai tei te pahunu raiti enei titau a. No tata tūruru rata a e, no te enei pui pui. Kia rana tu pereti tēnei uma ohi nui. Kia rana whatrehau heine. Kia rana tu mono pereti tēnei, kia rana tu mo whatrehau. Kia rana tatu pa atua, tu mo meru apurarhe. Kia rana tu mo atira piohipa, whare apurarhe. Kia rana te tia o te whare rau maire. Kia rana te nuna a, kia rana te mōpapa e wea, kia rana pa atua tā tui te whare rira i te ienei pūpui api. Kia nine iau i te papa i praur hei, ia tai o mai i tā tātou rata titaura. E te prete te nie, nā te rata no te piti auruma iwa no māti, piti tau i tine auruma piti, te titaur ahia i te maumero no te apura rei o te whenua mao, ta au iai te o nei. E te maumero no te apura rei, te veine e te tāne. E manono ra tumu nā u, i te whārara atu ia oe, e tupu te ruru ra matamua a te apura rei, no tana tau ruru ra, whaature ra, huru rau, i te mahana maha auruma piti no e perera. Piti tau tini auruma piti i te horai vai te poipoi. A whari mai e te maumero no te apura rei, te veine e te tāne, i te tāpau no tau whātura ia o tau. Tarima hia na te pretiti, Shaki Roli. Maruru mai te e te papa i praur hei. Te anine iau ia oe, ia i te o tu mo mero apura hei o te i temai. Algo ima, wa temai. Alfa te ari, wa maeri. Birk Sabrina, wa temai. Bob Dupont Tamara, wa temai. Bisou Jean-Christophe, wa temai. Brodia Rosina, wa temai. Chave Daphne, Watame, Cross Valentina, Watame, Drole Jackie, Watame, Flos Gaston, Watame, Frébo Joël, Wamaeri, Fritz Edouard, Watame, Galnon Minari, Watame, Anderson Georges, Watame, Irshan Honutea, Watame, Iriti Teura, Watame, Isal Heifara, Wamaeri, Jenny Setoni Patricia, Watame, Kauté Benoit, Watame, Komotini René, Watame, Lison Marcelin, Watame, Mama Tohi Otapu Victor, Watame, Manute Levi Agami Sandra, Watame, Maraya Emma, Watame, Mareura Teina, Watame, Mariteragi Mairoto, Lilian, Watame, Mataua Leoni, Watame, Mataua Myron, Watame, Mati Juliana, Watame, Merceron Armel, Watame, Olivier Maris, Watame, Opa Afo Amik, Watame, Wameri. Parker Eleanor, Watame, Pauliette Ikinui, Watame, Rapoto Jean-Marie, Watame, Briston Monique, Wamaeri, Rivetta Frédéric, Wamaeri, toi, Roma Taro Fernand, Wamaeri, Maina Sar, Watame, Chil Philippe, Wamaeri, Tama Françoise, Watame, Tanif Thérèse, Watame, Tansou Robert, Watame, Tchungu Turoro, Wamaeri, Te Farere Hiroiti, Watame, Te Miharu René, Watame, Teremate Ruben, Watame, Teripa Yamita, Watame, Teruatia Sylvian, Wamairi, Tetuanui Lana, Watame, Teura Justine, Watame, Tongson Gaston, Watame, Tuahu Ismael, Watame, Tucho Billard Catherine, Watame, Utia Damas, Watame, Venodon Beatrice, Minik, Wamairi, et Venodon Clarence, Watame. Maruru mai tei, warahi a tātou e te awharhei o te momero, nen hei a tātou e putu kupu i te ienei pupu. Te ani nei au i tō tātou papai praur hei, a tei o mai tā tātou opuar a tapura ohipa no te ienei pupu. Pretetini, te opuar a tapura ohipa, whanohi ana te mau pretetini pupu i te mhana pitiro. Numera ho e, hamana rai te tapura ohipa, numera piti. Ore rora a te pretetini o te apura rei o te whenua maori.
Numara toru. Ore ro a te peretetini o te hauwhenua. Numara maha. Hamana ra i te peretetini a te aporar hei o te whenua mahoi. I te whanau ra i te tarena o te maururu ra o tana tō ruru ra whature ra hururau. Numara pē hi opoa ra i te maurata i tēne. E numara ono opani ra i te ruru ra. Maruru, te ie te opoa ra tapura hupa nā tātou i te pepei, te whaia e whaari a whaitere media, te tāto ara, wa mana te ie nei tapura hupa, e te tēne o te whenua, ia oera. Yora nai tō tātou whareri ai tēnei pepei, peritini tāpura arhei, mō mero o te whātere rao, te whenua, whātere hau, tātou tō whā, te tia o te whareri maere, mō tāwana tātou kātua, mō mero mai te hea te nunga, E anita ate ie i tātou, wā tamei te ie proa pirutu i tō tātou whenua. Te whāruero rāmai te ie tātā o Ben Bela, te rideona i pretisini matamua no te whenua arteria. E oi te tātou i tōna proparau. E, tēnō tō atu i te ie tātā i a O'Brack, te rideona toa i Aitorhei no te Arora no te tiamar ao te whenua whrani. Rira te tianirua i a oe te peritetini o te aporar hei. I la tatou pōrua ti tāme i te pepeu, nien hea nei tatou e whātura hoa e māminiti māmura no te no aito. O te wharue o ta tatou i te proa piroto i te mōwe ea tēnā atu i te radio teata. Peritetini. Maruru mai te ai te whari nei tō umano i reira. Iani nei o ia tatu, ia tia pātua tatu e niena, whātura tatu i te te miniti, mamura, maruru. Maruru mai te ai. I roto i tā tātou tāpura hupa no te EPP. E hamata mei tātou nā ni o re rora a te peritetini o te whare aporarhe. Maruru mai te ai. Nō rira, maruru mai te ei, nō te whārira i tēnei anira, ia whātura tātou nā tātā tōpiti o Ben Bela rāua O'Brack. Nō te iaro i tō rāua pā, nō te tiamara o tō rāua whenua, te aro atu i te tiamara o te whenua whrāna. Maruru mai te ei. Te peritetini o Maohi Noe, te mau whātere hau, te tia o te whare rau meire, te mau tāne, te mau heine, Ia ora ana tātou i te wharerera i te ienei pūpū. Maruru mai te ei i te wharerera mai i te ienei titaura, ia nenhe tātou ia wharerei. E te wahei tāu e maruru nei te pūpū, te wharerei nei tātou, roto i te ienei whare aporarhei tātou, o te i wha apihia no te whanhor aia i tātou uhupa, ia nenhe tātou ia rave mā te au, e te mai te ei.
E I roto i te ienei whaapira i roe hia, i roto i te ienei wharaporar hei, te hinaro nei au e wha amaruru ta e, i te mau tamarina tatou. E rohoi nei, i roto i te ienei pusea mā o tau i ki taumanihini, i hare mei o nei. Tau e ani nei a tatou e pupu mei te tatou i te emu tamarita tatou. Rātou te irawe, te iei mei, te ienei mō tapo o te hamanihia roto i te ienei whare o te whaatiahia. Te ienei ano te whenua toa motu o te tifei hia, te iei muri. Te ienei tuha ano te whenua tuha pā o tā tātou i te rani i te mō pau. Te ienei tap o no te whaano ti pērui o te riro i tap o no niamatai, te mō maiha ano ti pērui. Te veinei te honu no borabora, tāwana borabora. Whātura mātou i au e warawero me mātou i te honu no borabora, e te honu no Jacques Brion, rāua tō piti toa. E warawe tō hea mai te mō iwi pō no te whenua e nāta, te i tap o hea tū i roto i te ienei whare. Te i te tōne o tū i te whaapira hea te ienei mōri, ia nen he tō o tō mata, ia tai o mai te i tātātou tāpura hupa. Ia ia whiwi i te ienei tāpura hupa tātātou. Nori rā, te mō tamari no te CMA, e te mō hoa tō i whaitu tō mai, te mō tātai tātā i mai te ienei whare. Maruru mai te ia rito tātou e meru oro tīt whare aporar hei anen he tātou e rau i tā tātou o hupa. I roto atua i te area no te mau aua o te whare aporar hei, o i te oto i te teimo unu, tā rātou tō te rira tāpura hupa. E ara ua e whātia tō hia mai te teimo tī, te teiti i no te whenua mareva, te teiti i no te whenua rurutuma, te teiti i no te whenua, no te whenua enata, e tō te tuamutu, e hare tō tātou i rira, no te whaiter a e te hurumau o te ienei whare aporar hei nā tātou. E te wahe papu, e te mohoa i te e matheiti piti tautini a huru e mapiti, e whaatupu tātou e toru rurur ar hei te roara o te e matheiti no te hiru o tumu o te whenua maohe, no te mea i te e matheiti, e matheiti o te i whaatahia no te hiru o tumu o tō tātou whenua, e ua manaot whare aporar hei, e ratai atua i te ienei tāpura hupa e rutu i te roara o te matheiti, e tatarahi atua atu i te mau uputa o te whare aporar hei, e anen he tā tātou motamari, e hare mei, e ite atua i churumau o tā tātou ratai anu te pau kiro atu. Wei te oto, tau ta atati hare mei e rutu i te ienei whare aporar hei, e rutu i te mau aua e matitei, e manone iau e trato te tei tapura hupa o tātātou ene nhe e rove mei te iruti te ienei whanhora. Hau atu i te mei te e, waite atua o tou e tātou iruti te ienei whare apora arhe o te whenua maohi, te praprau nei tātou nā rutu i te reo teiti. E whare i atua i a praprau mei tō tātou mō ta e, te reo te whenua e nāta, te reo te whenua tuamutu, te reo te whenua tuapa, tō maarewa, tō rapa mei te pē te wei atua ara. Whaitutuhi atu i tiuri atu i te e mōprau, nā roto i te reo whrani nori rā te i te tōne o tu i te te mā awhatei ki hio o te whātahi e titi, e o te tuhi atu te te motamari nā tātou o te hare i te hapi rā teite, i te whare hapi rā teite o tu maoro, te hapi i te reo teite i te mhana, o Orawa teie, o Felix, o Tere Muura, rātu o toru te e nei amo teie, e amo nei te e nei tāpura hupa i anehenhe, te mau tātou e orere papu i te reo teiti mei tō tātou mota e tō mō papa e wea, tere wharu o mei re te parau. E hurihi atu te parau nā roto i te reo whrāne, i a riro te rira e i tauturur ai te tātai a maramara mō mai te e mō parau, tātou e parau nei, no te mea, no te tātou e parau e i te reo teiti i o tātou. No te mea whenua teiti teie, e whenua maohi teie, e parau tātou nā roto i te reo teiti. I hare tātou e roto i te aporar hei o te whenua whrāne, e parau rātou nā roto i te reo whrāne e watano. I hare tātou rutu i te aporar heo te whenua tinto, e paraparau rātou nā rutu i te reo tinto, e watano. Watano ato ia tātou i te paraparau nā rutu i tō tātou reo, i te whenua teiti nei, te whenua maohi nei. Nō rira, Orawa, Felix, e o Tere Muura, whaituitu tā tātou o hupa. O whahapa ia tātou nō te mea tawhiwhiri i tūrira. E tate e hupa e tupu no i tō e mhana. I te roara au te tau, e ite e tātou i te aforor a o te ienei tapura hupa tā tātou. Nō rira, Wataharoa tō umanao, i te anir ai o tō e wafari i te aporar hei. I te whaturar ai te motata ma te whanho i te whanho rata e nā ratu, i e te moni awa e whatahiara nā ratu. E wafari i tātou i te whaatiti e wharo i tā tātou tāpura whofano te horo ar ai rutu i tō ratu rima i te whaito mai te e, i ai tō ratu arawehi.
Te wahai papu tua ta ue te aturi nei ta tātou taua Ngāti Rewa. E huri at ohia te e whaapihia nā mua, e huri at ohia atu te mauparau. Nā roto i te reo teiti, e iaro ai a tātou i te rawe, nā roto ato i te reo Pretāne. Te reo wharaniho ai a tātou i te rei te mhana, whaihia rā i te reo teiti, e whai at ohia rā i te reo Pretāne, no te mea tiroto o tātou i te te moana, o tā te tātou ara o te monuna e paraparau nei, nā roto i te reo Pretāne. Te wahi pāpū, te hinaroto anei tātou, e whaariro i te ienei whare apora hei nā tātou, me tū e wahi hapirai tā tātou mō tamari. E weite pa atoa tātou i te mō matiti atoa te whaatupu nei tātou, i te rurura a te mō tamari hare hapira no te pia CM2, i hare me rātou i onei e hapi, kiuru o te whaanhor a, o te arataira, o te whaotira e te mō praumana tā tātou e maiti nei, roto i te ienei whare apora hei, e te oaua nei au i te whaite e tui o tou e, o awar hei tō te mau orometo hapi, o awar hei tō mau atira ahupa, o awar hei tō te mau tamari, i hare atu tātou e wharerei rātou e parau i te parau, e riro rātou anan hei, e whea e tia mai, parhe mai, i roto i tēnei whare apo rār hei, parhe mei i te apapara o te mau whaterea rāhau rātou te tia mai anan hei, tōna ia tano rā mau, ia rave i maru no tātou i te ahupa no te whaananatea aia rātou i tēnei parau no tā tātou whare apo rār hei. Te wahei toa o tā te manao e hina aro nei, wei te o tō te mō hoa, me arhei te mō whrau whauwha e wei nei, e o tā nei e roto i te mō pia, te whare apor arhei, me arhei. Tīne ei te whai tō, hau atu i te piti hanere taua tīne tumu brau. E o tā tātou i whaoti e whanho i te tei whanhor a, i anhenhe te ie nei mō tumu brau i e opuruhia. E te e te me nenehe ue parau i o tō e, Waro ai amatu i te whanaho mai i te teirata, na pōana a opa me papa i rima. Te vei nei te ienei rata, papa i rima, pōana a opa ratito tātu rima, o te irawehia, o te whanohia, e o te ituhia, i roto i te whanohora o te roroira i te emhana. Piti hanere hau atu i te tauatini mō apiparau o ta mātou e hin arore whaitu i te rawe. Ho e huru toa, te mōmero o te aporar hei, Te mou hapotor aprau o tātou mou papa e nei, rote te pe ale nuvela nei, rote te pe ala depesha nei, tere haputuhi ara rote te rawhare e verei ti perui. Te mano e vei nei rote mātou i te haputur ai te tātou ara o te mou tumu prau i paraparahi anō tātou, mei te hamatara mai o te aporar hei te mei te emhana, haputur a e o nei, whahu i atu e atu i otou. Ianehen he tātou i ite, te reheir au te amu o te mautia i te mei o nei, o te iaratai i tō tātou whenua mei te tau e te tau te mei te imhana. Nori rā, i taua waheira, te mana o nei mātou e mea tano, ia whanohoia te ienei tāpura ahupa mā te eau. I te pau o te mau ture, te mau hoa, te mei te imhana miturure maiti tātou i te mau ture, vehiu atu e tātou i te whaterea rā te whenua, ia whaahupa i taua mau tureira. Te mana o nei au e ere pā me te riraroa te rawe rao te hupa i a tana. Tau mana o e maiti tātou i te ture, e hi opoa to ara tātou i tūru o te ora rao te i e mau ture tātou e maiti. Te mau parau mana o tātou whātere rā e nenhe e rawe no te wha hupa i taua mau ture era. Hare roa rotu i te ora rao te nuna. E me te pēu e ite tātou rotu i te ene whanhor a aitatara ture tātou i maiti tano mai tei. I te mea e orahi are te nuna, whahau me o nei no te whaatite e wharoia. Te ora o tō mana, i hapa i tātou e maiti no te ture, i o te weheo tu ai, nā te teipuku tāta e whaahupa e āna e roto i te roara o te orara o te tātou. Tō mana hohunutra, i arawe tātou i taua tāpura hupara, e i ahi opo atu o tātou i te huru o te ienei whanhora. I hara mei tō mana i roto i te whaahupa tāno tā tātou e rawe nera te whare aporar hei. Te ema te iti piti tautini ahuru e maho e. Wei te oto, i te whanhor a tātou i nga piat opiti o John Francis Tiariki o Sonia Aniere Tuno, wahuru ohier i te haputuputur a i te mou rurur a te mou meru aporar hei. E wei te hia roto i te reir a o te mou tumuprau tā tātou e maiti, tīni e te whaito hanere pe ahuru e matoru Prau mana o tā tātou e maiti, i roto i tā tātou aporarhei te mathei te piti tautiri ahuru e mahoe. Ia whaauhia i te mathei te piti tautiri ahuru, ua hau atu ia i te toru ahuru i e tānere.
Te ora ia wa roa ia tātou i te whanho, i te te whanho ra mai tei, wa putuputu te mōtou mi te roto, i ni eitua e whaitou hitu haru e mahitu teme rato i te putuputu rā, e wa maiti te rahira o te mōture o ta i whahiti anei i te numero. No rira, te mana one iau e ieriro, te rira e rawea no te whaiti rai te hupa, o tātou whare aporarhe e rawe nei, e o tātou mōmero aporarhe e rawe nei, i te mōmaha nā tō, no te mea, Tate tata e tera, ye mate e tera to ite afatara di o te ata, te eno mo rurura ta ta to. Aitara te tata e tera te reheira o te mo rurura e tu pura rati te mo tomi te roto, e te e mo tomi te rapae o ta ta to e tia nei. No rira mea tano, i hapa puhi a te e prou. Te te toa tomi te ta e ta ta to. Te e a tomi te o te ime erihi a te o te CCBF. Te e putu putu nei te mo hepe to mātua. Ona te tomi te e putu putu reheiroa ane. Ti tauhia i au te ture, ia whaite me oia i tōna mana. In e te mo opuara at whaatere rao te whenua, e nen hea ue paroi o tō, i roto i te reheira o te rurura o te ienei tōmite CCBF, ua hi opua oia e o whaite oia i tōna mana, ni e te whaito, e onu hanere hoe ahuru e mahitu opuara. E onu hanere hoe ahuru e mahitu opuara. E in e te ienei, e onu hanere hoe ahuru e mahitu opuara, Wo faito hia te faito muni o ta te ienei CCPF i hi opua e faiti tōna mana o, ine i te faito hoe ahuru e matoru pene vau miria te muni o te whenua o tō tātou whenu. Piriro e te ahuru mamha miria te mata o te ienei CCPF i te hi opua rā i te faite rai tōna mana o e i tau atumu pra. Nō rira mana o ne iau e hupa fofa a te ie i ravehia te ienei te iete, te ienei tōmite tā tātou, e mea tano atoa i anenhe tatou i a hapopo i te ienei momero o te hirawe mei te itara tō ohipa. Te teiva hei, te teiva hei o tāu e hinaro rei parau, ta tatui e motumi te rapa. Te ie hoe hanere e maha ahuru tumi te rapa. E rote i te ienei mou hanere e maha ahuru tumi te rapa, Wa whaateo i te teirata i te mō pretiteni ato e arata i nei te e mō tōmite no te ani a rato e mei te mataiti piti tautini e vau. Tai mei te mataiti, e ha tūru tūruru au te e mō tōmite. Ia pai tato e maiti no te mō tātaroto i te mō tōmite e aita te e mō tōmite e putu putu nei. Aurera aita te tāta e tēnei rato i tau o mō rūru rāra. E te e mhana, i nei nā tōmite hanere maha ahuru, o tā tato e maiti i te mō tātai hare i roto, e maha ahuru matoru tōmite o te putuputu. Te aura aia piri teo e hanere o te mō tōmite, ai te iha putuputu hia, ai te iruru. Ta ime tano ia tara no te whiruri, no te eha, e me te peu e tōmite fo whaore, te ime tano na tātou i te whaore, ai tau o mō tōmite. Te fo whae hape, ei tō tātou po e maiti i te mō tātara tui tōmite, me te peu ai te i mō tōmite e putuputu nei. Maha ahuru matoru o te putuputu, in e tānere maha ahuru. Nō rira te aturi au e whaitu i tūt o tātou i reira. Whaitu i tūt o tātou i tātou, ia titau hia tātou i hare ratu i te moruru rā, ia tāe. Ia tāe ratu i tau o moruru rā. E mei te pēu e ai te e hāre, titau mai ai te mono. Ia pa eito tātou reo ia ere. Ia te taria o te whare apora rā, ia ere ratu i tau o moruru rā. Whaitu i tū nei au ia tātou, ia nari rā tātou i te rau. E te teimana o hopea o tāu hina arora e whaite atu i otou. Wa hina aroa toa te mou meru aporarhe e whiruri te parau. Te ie tau api o tāu e whari nei o te whahitihi e tō tātou whatarehau o Jacques Brion. Te hotu a tau. Tini a tātou i te rira tumupura i te ienei teme e nawhe i te whanho. I te aupurur ai ei te ienei arutei marewa tō tātou. I te whanhor ai ei te tei whanhor a. No te tei tapura o tātātou e nene e mo amui, no te parau, no te hotu a tau. E ui te otou, warawahia te rie tapura hupa, e te itehi ara i te mhana, te tei mou api. Aita te whirurira e mou oi mei, ahi o tātou i te mou mori api, ini anu i te pae o te wira, wo whātopahia tātātou parau pa erai ni e te whaitohiti ohuru ni e te hanere. Ini anu i te tauira o tau anei mou mori tātātou. Po eno trahi ora, I tue apapā tūterheira o te mō upuara, o i te rau au e te turu papu me te ene o tō iau in e tau atapura hupara, e nehane tātou e hare i tō e wahe me te e te teita o man o tāu hinaro re hapapu me te ea tātou,
Wahina roto a matoro te whaate reira o te aporarhe, ia whanho a pihia te prau no te patar a hoho o, e roti ta tātou whare aporarhe. E wa whaari mei te pia hupa e rawe nei pihoi au, ia rohia te ene wha apira, e ite ia o tui te roara o te tau, te hamai te era o te ene hupa, i roto ho arai te prau no te taua na tirewa, ia nehne te tātai a mate i te emei a tātou, ia wharo mei te emei tō tātou mō prau, ia apu mei te emei tō mō prau o tātou hina arore prau prau. Nō rira, te mō hoa, teia te tei mō prau i poto a pinua o tāu ene ne e whaahiti a tui tātou, nōni e te ene matheti o tātou i ratere mei, o i te pātou a tātou e te tū ene, e iwa au e, hō tātou e wha a piei, i te mō tiara o te mō mero tui whare aporar hei, Tā tātou ture roto, e tū mei o tui tātou niu niu a whai pēi ni eit wha rūrūra. Ia ia tai, he? Tō reira e tō wha, a tū mei ni eit wha rūrūra ia hei amani nia, ia paraparo a tū tātou ero tui tei enei whare aporara he tā tātou. Tārari i te mō mana o mata mua nā roto i te reo teiti i pereti tene, e i te mea whenua whrahani tātou, e nā roto tō atua i te reo a Molière, e nā roto tō atua i te reo a Frank. Monsieur le Président de Maorinui, Monsieur le Président, le représentant du Conseil économique, social et culturel, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le sénateur de la Polynésie française, qui doit mettre son vini sur vibreur pour ne pas troubler les discours à l'Assemblée, chers auditeurs et téléspectateurs, Yorana, je vous souhaite la bienvenue dans la maison du peuple. Ne criez pas, vous êtes sourds. Te whare o te nuna, vous êtes ici chez vous. Mes chers collègues, le discours d'ouverture de la session administrative que j'ai le plaisir de prononcer devant vous en ce lieu revêt à mes yeux une importance toute particulière. Elle tient en partie aux sculptures qui ornent désormais les murs de notre hémicycle rénové. En mettant en exergue un motif, un détail de la culture, des traditions et techniques propres à chacun des cinq archipels, ces ouvrages sculptés rendent hommage à l'ingéniosité, au sens artistique des Polynésiens et à l'importance du travail manuel dans notre société. Et je ne vous citerai que le titre du poème de mon ami Henri Hiro, « O'oe to'oe rima ». Je voudrais à ce propos vous demander de remercier et d'applaudir nos amis du CMA qui ont réalisé toutes ces œuvres et qui sont derrière nous. De cela, mes chers collègues et auditeurs, nous devons être fiers. C'est une source de richesse pour notre Fénouan. Nous ne serons pas en reste en 2012, puisque les jardins de l'Assemblée accueilleront, outre le masque de Tutepanganui des Tuamutu, situé à l'entrée principale du hall Le Boucher, une statue du dieu Rao des îles Gambier, chère à notre sénateur. Mes chers collègues représentants des Australes, une reproduction du dieu Aa de Rurutu aura également vocation dans les prochaines semaines à être installée dans nos jardins. Un poteau de maison sculptée des Marquises, ainsi que des tis des îles de la Société, viendront compléter ces éléments représentatifs de la statuaire polynésienne. Je tiens donc à remercier les élèves du Centre des métiers d'art et l'ensemble des entreprises qui ont participé à la confection de ces ouvrages. La promotion de la culture de notre Fénouan et du rôle de l'Assemblée est importante pour l'événement. L'année 2012 sera pour notre institution l'année des arts et du patrimoine. L'Assemblée organisera au cours de l'année 2012 trois expositions thématiques mettant en exergue les arts premiers océaniens, l'art contemporain polynésien et le patrimoine des cinq archipels de notre Fénouan. L'Assemblée organisera dans le courant de l'année 2012 quatre journées portes ouvertes destinées à promouvoir la découverte de l'histoire, du patrimoine culturel, naturel et légendaire de notre institution auprès du grand public. Elles concerneront les journées de l'Europe, les journées du patrimoine, la journée mondiale du tourisme et la Journée internationale des personnes âgées qui se tiendront respectivement les 9 mai, 15 septembre, 27 septembre et 1er octobre 2012 à l'Assemblée. Outre sa portée pédagogique, cette promotion de notre culture et de notre institution par l'événement
aura vocation à attirer davantage de visiteurs, qu'il s'agisse de jeunes scolaires, de touristes et de citoyens polynésiens. Notre institution devra ainsi tripler, en partant à 3 000 le nombre de visiteurs accueillis en année pleine en 2012-2013. Nous apporterons une attention toute particulière au contenu des visites, puisque des dépliants informatifs relatant l'histoire et les missions de l'institution seront édités et distribués. 4 agents en interne seront également formés à la médiation culturelle. Mes chers collègues, vous connaissez également mon attachement profond à la promotion des langues, en particulier polynésiennes. La maîtrise de la langue est un gage d'enracinement, mais également d'ouverture sur le monde. Je vous invite, mes chers collègues, à porter votre regard sur le box de traduction situé à ma droite. Le système de traduction simultanée des débats en langue polynésienne est désormais une réalité. Je tiens à cette occasion à encourager nos traducteurs-correcteurs qui ont été recrutés pour assurer à l'intérieur de notre hémicycle et en direct cette délicate mais toutefois passionnante mission. Orava, Félix, Terimura, Afaïdito Maïtaïtatato Ohupa. Merci beaucoup à vous deux, à vous trois. Dans le droit fil de la stratégie de la valorisation des compétences de nos jeunes Polynésiens, j'ai le plaisir de vous informer que l'Assemblée de Polynésie ouvrira dans le courant de l'année 2012 un concours de recrutement de 2 agents de catégorie A au poste de correcteur-traducteur en langue polynésienne. L'intégralité du site Internet de l'Assemblée sera également traduite en langue tahitienne fin 2012, à l'instar du site Internet du Parlement de la Nouvelle-Zélande disponible en langue anglaise et en maori. Je souhaite également associer à cette démarche M. Jean-Marius Rapoteau, président de la Commission de l'éducation et de l'enseignement. La langue anglaise, qu'il faut-il le rappeler, est la langue officielle de près de 70 États dans le monde et compte près de 1,4 milliard de locuteurs, n'est pas en reste. Ainsi, l'intégralité du contenu du site Internet de l'Assemblée sera également traduite en langue anglaise avant la fin de l'année 2012. L'année 2012 sera également pour notre Assemblée l'année de la jeunesse. Sans expérience professionnelle, pas d'emploi. C'est le constat parfois désabusé que formulent de nombreux étudiants en quête de stage, si ce n'est d'un emploi. J'ai donc souhaité promouvoir, dans le cadre de la stratégie jeunesse de notre institution, qui vous sera présentée dans le courant de l'année 2012, les stages à l'Assemblée de Polynésie. J'ai le plaisir de vous annoncer que l'Assemblée signera avec l'Université de Polynésie française, dans les prochains jours, une convention de partenariat relative à l'accueil des étudiants stagiaires dans nos services administratifs. Nous souhaitons valoriser les juristes, les historiens, les politologues, mais également les jeunes Polynésiens en formation, en horticulture, en menuiserie, en plomberie, en électricité. L'année 2012 sera également l'année de l'apprentissage et de la promotion du sens civique et de la citoyenneté. Outre l'Assemblée des représentants juniors et la tournée du président qui concernait les élèves de classe de CM2, l'Assemblée organisera en 2012 le tournoi des jeunes à destination des élèves de 3e et de 4e des collèges. Il s'agira de tester dans le cadre des compétitions entre collèges les connaissances de nos élèves de Tahitian Orea en matière d'éducation civique, d'histoire et de démocratie. Par ailleurs, la nouvelle version du site Internet de l'Assemblée qui vous sera présentée dans les prochains jours, intégrera pour la première fois une rubrique « Mission éducative » à destination des jeunes et de leurs enseignants. Outre le kit pédagogique d'ores et déjà disponible en téléchargement, la rubrique sera également enrichie dans le courant de l'année 2012 par des jeux interactifs à destination des jeunes et des mallettes pédagogiques à destination des enseignants du primaire et du secondaire. Je ne manquerai pas d'associer le ministère de l'Éducation, la direction des enseignements secondaires et le président de la Commission de l'Éducation et de la Recherche à ces travaux. L'année 2011 a été marquée à l'Assemblée par l'archivage et la numérisation du patrimoine documentaire de l'institution. Il concerne l'intégralité de la correspondance transmise au secrétariat général, soit près de 221 000 documents,
221 000 documents exhumés à ce jour, 17 000 documents ont d'ores et déjà été numérisés et scannés, dont une lettre manuscrite de feu Poana à Europa. Ce devoir de mémoire concerne également la numérisation et l'archivage des articles de presse des Nouvelles de Tahiti depuis 1957 et de la Dépêche de Tahiti depuis 1964, effectués par les agents administratifs dans les locaux des archives territoriales. Ce travail d'identification des articles relatifs à l'histoire politique et institutionnelle de notre Fénois est colossal puisqu'il concerne 29 680 numéros. 29 680 numéros. Le service de la communication et de l'informatique seront également mobilisés afin de procéder au séquençage de l'ensemble du patrimoine audiovisuel de l'Assemblée. La tâche est immense, mais participe également au devoir de mémoire pour toute institution. Je tiens à cet égard à encourager les agents du service des affaires juridiques, de la communication et du secrétariat général en charge de ces missions. Je poursuivrai mon propos en reprenant le vieil adage « Nul n'est censé ignorer la loi ». Mes chers collègues, connaître la loi, c'est d'abord la comprendre. Force est de constater que nos concitoyens sont confrontés à une réelle absence de sécurité juridique, imputable en grande partie à l'inflation législative et normative et à la complexité croissante de notre arsenal juridique. Je tiens à vous rappeler que près de 8000 délibérations ont été adoptées par l'Assemblée depuis 1946, soit autant que le nombre de lois françaises adoptées par le Parlement. 8000. Il s'agira pour l'Assemblée de rendre la loi plus accessible et plus intelligible. Le service des affaires juridiques aura pour objectif de numériser et de rendre accessible sur le site Internet de l'Assemblée les 622 délibérations votées entre 1946 et 1962. Celle de 63 à nos jours étant d'ores et déjà disponible. Dans la même veine, les 6583 rapports concernant les années 46 à 89 sur les 8102 recensés devront également être mis en ligne avant la fin du mois d'avril 2013. Je tiens à remercier et à encourager les 14 agents administratifs à pied d'œuvre chaque jour pour effectuer cet immense travail de numérisation et de référencement nécessaire à la bonne information de nos concitoyens. S'agissant de la vulgarisation de la loi, chaque texte de loi aura désormais vocation à être résumé dans un langage simple et intelligible par le service des affaires juridiques et de la communication. Cette démarche de pédagogie devra également s'appliquer à rebours à l'ensemble des textes votés depuis la création de l'institution. Le secrétaire général, le chef de service des affaires juridiques et des commissions auront vocation, dans le courant de l'année 2012, à animer 3 conférences-débats à l'Assemblée concernant le statut de la Polynésie française, la procédure parlementaire et le règlement intérieur de l'Assemblée. Le pouvoir délibératif de l'Assemblée s'exerce principalement dans le cadre des commissions législatives et, en fin de compte, en séance plénière. Mesdames et messieurs, chers collègues, les statistiques des travaux en commission et en séance plénière sont édifiantes. En 2011, notre institution a voté en séance plénière 153 textes, en augmentation de 30% par rapport à 2010. Les représentants se sont ainsi réunis à l'occasion de 31 séances contre 25 en 2010, ce qui représente 342 heures de débat. Les 9 commissions législatives, quant à elles, totalisent en 2011 77 réunions contre 62 en 2010, et 157 textes votés contre 130 en 2010. Je dois d'ailleurs rappeler que la dernière modification du règlement intérieur, en figeant la composition des commissions sur la durée de la mandature, constitue une avancée majeure. Elle permettra d'assurer stabilité, continuité et visibilité au travail délibératif des représentants. J'invite à cet effet l'ensemble des représentants et des téléspectateurs
a consulté sur notre site internet le rapport d'activité de l'Assemblée de la Polynésie pour l'année 2011. Ce document inédit retrace, chiffres à l'appui, l'activité de notre institution. Il participe à l'exigence de transparence et de valorisation du travail des représentants et des agents administratifs de l'Assemblée. Le pouvoir de contrôle des représentants s'exerce principalement au sein de la CCBF, la Commission de contrôle budgétaire et financier, qui a tenu en 2011 43 réunions contre 34 en 2010, et à l'occasion desquelles 617 projets de décision qui représentent 13,8 milliards de francs pacifiques ont été étudiés. Le pouvoir de contrôle s'exerce donc également au travers des 140 commissions et organismes extérieurs, conseils d'administration des SEM et des EPIC, dans lesquels siègent nos représentants. J'ai à cet effet demandé au service des commissions de l'Assemblée de centraliser l'ensemble des convocations et des dossiers adressés aux représentants amenés à siéger dans les commissions et organismes extérieurs. Un toilettage de ces commissions extérieures dans lesquelles siègent les représentants s'avère plus que nécessaire. Écoutez, plutôt en 2011, sur les 140 commissions et organismes extérieurs recensés, seules 43 commissions se sont effectivement réunies. Sur les 140 recensés, 43 se sont réunies. Nous gagnerons ainsi en cohérence, en visibilité et en continuité de notre mission de contrôle. Je serai également un président vigilant concernant l'absentéisme de nos élus. En 2011, le taux global d'absentéisme s'est élevé à 40%. Le taux s'est élevé à 40% pour les absentéistes. C'est énorme. Vous voulez des noms? La loi informatique et liberté m'interdit de vous donner des noms. Le renforcement du pouvoir de contrôle des élus passe également par le contrôle et l'application de la loi. Les services de l'Assemblée, en synergie avec les commissions législatives et le secrétariat général, auront désormais vocation à vérifier la bonne application de la loi en conformité avec la volonté du législateur. Ils porteront une attention toute particulière au vote en Conseil des ministres des arrêtés d'application. Enfin, j'ai souhaité pour cette année 2012 que notre institution soit au diapason des grands défis de ce monde. Ils concernent d'une part la problématique de la préservation de notre environnement et d'autre part l'essor sans précédent des technologies de l'information et de la communication. J'ai le plaisir de vous annoncer, conformément à mes engagements, que l'Assemblée est désormais la première institution de notre Fénois à s'être dotée d'un plan de développement durable. Il contient, et j'invite chacun d'entre vous à le consulter sur notre site internet, des mesures concrètes de réduction de notre consommation d'énergie, d'eau, de consommables, ainsi que des propositions d'amélioration des conditions de travail au sein de notre institution. Je tiens à remercier tout particulièrement le personnel administratif et le président de la Commission de l'aménagement de l'Assemblée qui ont participé activement à l'élaboration de ce document de synthèse. J'ai la conviction que ce document saura inspirer d'autres institutions et opérateurs publics comme privés. Je m'engage par ailleurs à tout mettre en œuvre pour que ces objectifs de réduction de notre consommation d'électricité et d'eau de 20% soient atteints en 2 ans. Le quota de fourniture des représentants a dans la même veine été réduit de 50% depuis le début de l'année 2012. Nous partageons ceci de commun avec les citoyens des pays occidentaux de vivre dans une civilisation largement dominée par les écrans et la circulation quasi instantanée des images et de l'information. J'ai souhaité, avec l'ensemble des membres du bureau de l'Assemblée de la Polynésie française, que notre institution soit désormais dotée d'un système de vidéocaptation, de diffusion des débats modernes, offrant un son et des images de haute qualité. Il permettra en toute transparence à chacun de nos concitoyens de suivre, par le truchement d'Internet et de nos chaînes de télévision, les débats au sein de notre hémicycle. Je tiens à remercier à cet égard les représentants des chaînes de télévision Tahiti Nui Télévision et Polynésie Première,
avec lesquels je signerai dans les prochains jours des conventions formalisant ce partenariat. Dans la même veine, la dernière version du site Internet de l'Assemblée sera en ligne avant la fin du mois d'avril 2012. Elle intégrera la nouvelle charte graphique de notre institution, une visite virtuelle des points d'intérêt touristiques en trois dimensions. Tels sont les éléments du bilan et les projets que notre institution portera en 2012, chers amis. Je vais désormais laisser la parole au président de Maui Nui. Monsieur le Président, notre président aurait-il disparu? Ah, soyez indulgents, un président est avant tout un homme, s'il vous plaît. Donc, que vive le peuple Maori, que vive Maori Nui, Yorana. Janineo et Peretiteni au Maouinoui, Haremei not Orero, Tana Orero, Marurumaite. Ubo Tatoito Tato Peretiteni. Ce sont les premières paroles de notre hymne. Et je veux ici dire merci à Coco. Coco Mamatoui, qui a écrit cette chanson et composé cette chanson que je vous demande d'applaudir. Oui, on a Coco, Thierry. C'est Coco, le leader. Et pourtant, n'oublions-nous pas trop souvent de remercier Dieu d'avoir créé ce pays dans sa beauté, sa diversité de paysages et de cultures et toutes les richesses de sa nature. Poyetemeite atu aiteie fenuan henheroa no tatou e no tatatou huaai. Penea te muehiare i tatou ta maruruia nei te momhana atoa o to tatou rara. Te venei te mou fenua. Te teite tau toe toe e poeroa te tatei te toe toe. E a teite tau eo ea, e puhoet oa te tātei te tau eo ea. Eo nei o tātou eo ea, inua i teie mumhana. E te parau nei tātei, eo ea teie me. E i eu hoi, eu o teie me. Me tano toi tātou i te teite me e hiori. I te teia tu mou whenua tu mou hupa e tupura. Nous n'héritons pas le monde de nos parents. Nous ne faisons que l'emprunter à nos enfants. Te teia paraupari. Ai ta tātou e fatu i te e whenua, te fatu o te e whenua ta tātou i a huaari. Tau aura te teihi mene. E mata leia, ia oe, ia utamae. E mata oto, e te arofa, ia moea. Ia ore tātou i eini te whenua no ta tātou huaai. Tout ceci nous rappelle pourquoi nous sommes engagés en politique
au service du peuple. Oui, pourquoi? Sinon, préparer ce pays à être un espace de liberté où pourront fleurir et prospérer tous ses enfants. La nécessaire évolution du partenariat avec l'État. Ce souci du devenir de nos enfants, certains à Paris semblent l'avoir oublié, pour peu qu'ils ne l'aient jamais eu réellement à l'esprit. Pour ceux qui voudraient oublier ce passé peu glorieux, je veux rappeler le vote à la hussarde d'une nouvelle loi électorale censée balayer l'opposition et assurer un règne tranquille du poulain UMP de l'époque. Vous savez de qui je parle, hein? Je ne vous dis pas de suivre mon regard. Ce rappel n'est pas anodin, j'y reviendrai. Et l'impensable de survenir un 23 mai 2004. Promorua, meti ei fahamana ohi ei tato te hupei tupu. Mä oon heti meri muri tato, mä oon heti piti tautini e mha. Voi tupu, te tei tsunami, protita. Jo tato neiro tui tei muana patitifa etenua tui tumu fenua o Europa Farora hea tei pro api no tei. Fautida o tira ohi etenuna. Tau amat heti. L'histoire retiendra que les Polynésiens ont été pris pour des sous-citoyens, des incapables, selon l'État UMP, de voter sans faire abstraction de la couleur des rideaux. Elle retiendra encore l'attitude incroyable de la ministre de l'Outre-mer de l'époque, Madame Girardin, en annonçant la fermeture des robinets. Effectivement, l'UMP dès 2005 entamait le retrait du CEP en cessant sa participation au financement du RST. Ajoutez à cela la réduction en marche forcée de la présence militaire, qui ne saurait être compensée par la seule démarche du CRSD. Les charges nouvelles sur les communes du fait du CGCT. Ajoutez maintenant le simulacre indécent de la loi Morin, qui n'a pour but que de fournir un alibi, pour pas cher, à tous ceux qui ont soutenu les essais nucléaires propres de la France pendant 30 ans. La suppression unilatéralement décidée de l'UTR sous un président autonomiste qui persiste à militer pour l'UMP n'a pas encore donné la pleine mesure de ses effets négatifs sur notre économie. Aucun des mécanismes compensatoires promis à l'époque n'est aujourd'hui en place, ni même à l'étude. En 2009, à nouveau, de manière unilatérale, l'État UMP opérait un véritable rapt sur l'aéroport de Faa, confiant sa gestion jusque-là assurée, sans aucun problème par une société polynésienne au groupe métropolitain Aegis. Cette opération avait pour double objectif de priver le pays de tout contrôle de la plateforme qui le relie au monde et de fournir un cheval de Troie à un groupe dont les prétentions s'étendent aujourd'hui à la gestion de l'eau, de l'assainissement et des travaux de voirie. Tout ceci au détriment de nos entreprises privées, du tissu industriel, économique et social. Ajoutez encore à ce simulacre une pincée de cynisme en annonçant juste avant sa candidature au présidentiel une ouverture des archives relatives à Poana-Aopa. Et 3 500 CDL qui dureront au
pure coïncidence, juste le temps de l'élection. Pour terminer ce cocktail, empêcher nos étudiants polynésiens d'être diplômés dans l'enseignement de leur propre langue et s'exiler loin de leur future réalité quotidienne, nos Capétiens, en arguant de motifs tout aussi fallacieux les uns que les autres. Vous obtenez le portrait d'un État UMP central partisan qui n'a pas encore compris que le temps des colonies est révolu. Et là, je tiens à vous remercier d'avoir observé cette minute de silence pour M. Ben Bella, M. Aubrac, des gens qui se sont levés pour combattre, pour que leurs pays, différents pays respectifs, soient libres aujourd'hui. Ben Bella a même été dans l'armée française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, et que son devoir était de nous accompagner vers notre destin et non de nous enfermer dans celui qu'il nous a tracé, un grand renfort de lignes rouges. Comment dès lors imaginer que le gouvernement de notre pays, de quelque bord politique qu'il fût, puisse imaginer continuer 5 ans de plus avec en face et non plus à ses côtés un État qui continue tous les jours de faire exactement l'inverse de ce qu'il a promis en 2007. Un État UMP surtout qui n'hésite pas à recycler les bonnes vieilles méthodes d'avant le Taoui, avec une nouvelle loi électorale qui entrera en vigueur en 2013 et qui impose une géométrie des circonscriptions, encore une fois taillée sur mesure pour éliminer les mouvements politiques qui refusent de marcher au pas de M. Sarkozy. Le 23 mai 2004 a prouvé que les Maori, notre peuple, sont capables de donner tort aux spin doctors et autres politologues de la rue Oudinot ou de l'Élysée 2013 pourraient fort bien à nouveau venir contrarier les plans de ces éminences grises. Ce dont notre pays a besoin aujourd'hui, c'est d'un partenaire réellement ouvert au dialogue, désireux de s'engager sur le long terme dans une vraie démarche de développement endogène qui ne soit pas juste un paravent pour offrir sur un plateau tous les pans rentables de notre économie aux seules multinationales métropolitaine. Ce dont il n'a pas besoin, c'est d'un État qui continue de se désengager et de transférer ses propres compétences au pays ou aux communes sans en transférer le financement. Ce dont il n'a définitivement pas besoin, c'est d'un État qui juge plus utile d'envoyer son ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour un show électoraliste d'un soir, que pour s'asseoir autour d'une table avec le gouvernement et les partenaires sociaux de ce pays pour aborder les vrais problèmes. Mais à dire vrai, quelle que soit l'issue des urnes le 7 mai prochain, notre pays, notre peuple, a avant tout besoin de comprendre qu'il doit se prendre en main. Comprendre que le temps de la danseuse entretenue pour que les essais propres se déroulent sans trop de heurts est fini. Comprendre que dans le concert des nations aujourd'hui, le Pacifique regroupe déjà les leaders. La mondialisation de l'économie est aujourd'hui installée, incontestable et irréversible. Aucun pays ne peut s'assumer en autarcie complète, ni la France, ni les États-Unis, ni même la Chine. Tous doivent apprendre à gérer intelligemment le réseau des interdépendances et trouver le dosage qui sera bénéfique à un développement harmonieux et pérenne de son peuple. C'est dans ce contexte que se situe l'action du gouvernement. Nous avions déjà en 2009 et depuis un an multiplié les démarches à caractère régional afin que notre pays
s'inscrivent pleinement dans son bassin naturel, au plan géographique, culturel et économique. Aujourd'hui, notre démarche de demande de réinscription sur la liste des territoires non autonomes de l'Organisation des Nations Unies est comprise et soutenue par la majorité des États insulaires du Pacifique. Elle a également reçu le soutien non équivoque du Conseil des Églises du Pacifique, la Pacific Conference of Churches, réunie en congrès à Piula, au Samoa, en août 2011. La création l'année dernière d'un groupe des pays polynésiens au sein du Forum du Pacifique est de nature à renforcer ce soutien. Nos échanges avec le principal acteur économique de notre région, la Chine, se sont également renforcés, à telle enseigne que plusieurs bailleurs de fonds potentiels ont d'ores et déjà indiqué leur volonté de travailler avec notre pays. Toutefois, et l'on atteint ici les limites de notre économie, de notre autonomie, ces derniers nous disent qu'ils doivent malheureusement obtenir en préalable l'accord de notre puissance coloniale, l'État français. Dans les prochains jours, nous allons recevoir d'importantes délégations d'investisseurs chinois. Eux aussi sont prêts à nous accompagner sur des projets réellement porteurs, pour peu que l'État français se comporte enfin, non en facteur bloquant, mais en facilitateur. Le premier de ces projets consiste à bâtir autour de l'atoll de Hau un véritable écosystème économique autour du potentiel marin de notre zone économique. Nos interlocuteurs sont prêts à investir 15 milliards de francs pacifiques par an sur 15 ans pour développer toute une gamme d'activités, de pêche à la transformation, mais aussi l'élevage aquacole de diverses ressources marines, du thon au rori, en passant par des espèces de poissons lagonaires. Il ne s'agit pas d'un projet de petite envergure qui serait auto-centré sur le seul atoll de Hau, et bien d'un vaste réseau s'étalant sur les atolls environnants et jusqu'aux îles Marquises. Hau jouant ici le rôle de hub, de par l'existence sur place d'infrastructures portuaires et aéroportuaires conséquentes. Je vous invite à comparer cette démarche réellement orientée vers le développement endogène à celle pour le moins étriquée et biaisée qui est brandie par l'État UMP depuis quelques années. L'État nous a annoncé des milliards à Hau. Et pourquoi en définitive ? Essentiellement pour de la déconstruction, terme poli, désignant le fait d'effacer toutes les stigmates des essais nucléaires propres. Mais de ces milliards, combien ont et vont réellement contribuer au développement de Hau et de sa région. À dire vrai, ces milliards ont pour la plupart circulé en circuit fermé. L'État versant alarmé la plupart de ces sommes pour démonter, concasser et tenter de dépolluer ce qu'ils ont eux-mêmes pollué. À l'inverse, les projets de collaboration sur lesquels nous vous invitons à vous impliquer devenir des acteurs de notre développement en pour élément directeur le développement de l'emploi local, la mise en place d'infrastructures durables, intégrant d'emblée les coûts de fonctionnement au modèle économique, la mise en place des filières participant au développement durable et à l'amélioration de la qualité de la vie de nos concitoyens. Du projet de Hau à celui d'un TCSP étendu de Papara à Mahina, en passant par le développement d'infrastructures essentielles au développement des archipels éloignés, nos partenaires chinois sont prêts, pour peu
que nous le soyons et que l'État ne vienne pas, par réflexe colonial, entraver ces démarches. La Chine n'est pas notre seul partenaire potentiel dans la région Pacifique. Lorsqu'il s'agira d'exploiter de manière rationnelle, efficace et surtout pour le bénéfice de tous les Polynésiens, les ressources minières terrestres et sous-marines, l'Australie est également un partenaire potentiel très intéressant. Pour que nous fassions les bons choix à ce moment-là, nous préparons aujourd'hui le cadre réglementaire rénové. Préalable nécessaire à toute démarche d'envergure. Nous refusons de reproduire ce qui s'est passé à Makatea. Il exploitait puis laissé à l'abandon, et dont la majorité des revenus issus du phosphate sont partis bien loin de nos latitudes. Autant vous dire, mesdames et messieurs les élus et représentants, que nous avons foi dans notre pays, dans son potentiel. C'est dans cet esprit que je vous invite à aborder cette nouvelle session administrative de notre Assemblée. Maruru, Yorana, Terfoyerei. Maruru mai te aitpiriti tēnei. Nō te vehi ora i tō tātou mōmanihini, ia ne ne tātou e hui, ia ne ne rātou e hui, te whātemene e oi tātou rurura i te teme. Pour permettre à nos invités de se retirer, la séance est suspendue 2 minutes. Nā rira, te hamata wahone i tātou rurura. Parhei. Parhei. La séance est reprise. Parheit mohoa. Te toe rira tatatou hupa. Te himene nei au. E piko ana vau inaro ki e. Kare mai rā, parhei. Parhei. E te iu, eh? Parhei. Ane parau tinto, eh? Tumo mero apurar, eh? Parhei. E te ima ororoa. Te ama, kati ima. Parhei mei. Maruru mai tei, te hare nei tātou nei te tumubrau numera maha o tā tātou rurura, o ia i te horoarai ai te manarotu i te perititini o te aporarei, no te whaiturai ai te mau rurura nā tātou. Nā rora ue hapapu i te teiprau o whātahi atu i te teitare narutu i tō otorima, ai tarai tano mai tei. Tā tātou rurura ai te e tupu i te e mahana mahai muri nei, te ahuru maiwa. E roto i te rurura atu pere te tēni pupu, o whātahi atu piti ahuru e maono. E rira tātou e haputuputu e te aur aia, te piti ahuru e maono mo e perera, i oti, te mau ahuru mapae mhana ato. Te ahuru no me, te piti ahuru e mamha no me, te hitu no tiunu, te piti ahuru e maho e no tiunu, e te pae no tiurei. E te whahamano atu nei au ia tātou, e putuputu tātou e piti mhana. Te mahana maha e te mahana pai. E whaarar atoa i te whātere rāhau, i a tēmeit mō whātere hau, e tumu prau tā rātou rutu i te rurura. Mahana maha
e te mahana pā, i te mo ahuru mā pā mahana ato. Horea te ani nei au ia oto, e te momero aporar hei, whari ane oto i te perititi o te aporar hei, nāna e whaito, te moruru rata tato e whātupu rutu i te genei whare. Whaia e whari, a whai trimenia, te tātoa rā, maruru mai tei. E iau i te tapura numara pā, e ni ia i te papai praur hei, a tei omei te maurata i tēmei, rutu i tō tātou rima. Papai prau ti au era. E te pretetini e, ua operehia, i te tātoa rā o te mautia, i roto i te rātou pue prau. Te tapura o te maurata, i tēmei, i te apora rei, nā te piti auru, mā piti no māti, e te atu i te pē no epre rā piti tau etini auru mā piti. Maruru mai te, nenei tā tātou e hare e hi o e tei o e ani, ua tā tātou i ti hopea o tā tātou ruru rai te pepe, Naro nei au e ha maruru i pretitiri o ma ohenu e te mowhatere hau. Ia tātou pa ato i amui mei, e wharere a tātou i te mahana maha, piti ahuru e maono no e perera. No te whaapira ia i tātou tomite tāmau, e tātou tomite CCBF. E piti ato atu mupurau te iwherurihia i atu atapapahia. No rira, te mohoa, maruru mai te tō tātou wharere rā, te opani nei au i tātou rururā. La séance est close.